They say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love be my favorite mistake. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared. If this only ends in tears, then I won't say goodbye. I couldn't care less if they called us reckless until they are breathless. They must be blind. There are voices ringing over. They keep saying, I'll treasure each day. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared. If this only ends in tears, then I won't say. I couldn't. It all.
tight. Never gonna run right. Going flat, the night is black. Running with the morning pack. Going flat, yeah, the night is back. I'm running with the morning pack. The blow, blow, make the wings fly, fuck the night. Take off, do it here tonight. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui, Hervé, avec des joueurs qui vont devoir retrouver leurs automatismes, c'est pas toujours évident parce qu'il peut s'écouler des semaines, voire des mois entiers entre deux matchs en sélection.
L'architecture du stade qui accueille cette rencontre n'a rien de révolutionnaire, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est un stade omnisport avec une immense piste d'athlétisme tout autour de la pelouse. Alors évidemment, on voit pas grand-chose. Alors que vous découvrez l'arbitre du match, M. Mehmet Yildiraz. Le coup d'envoi donné à l'instant. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Le schéma tactique de l'équipe. Oh là là, l'occasion. Ah oui, l'arrêt réflexe. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Ah, malheureux, le défenseur sur cette action. C'est sûr qu'il a voulu bien faire, hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Dans ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. De Bruyne. Sigurdsson. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Non, elle est interceptée, cette passe. Ah, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Le centre, mais non, il est contré. Ouais, il lui remet. Allez, il a de la place dans le couloir. Le bon ballon. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Attention, ça peut être dangereux. En profondeur, oui, bien vu. Ah, trop mal dosé cette passe pour être efficace. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Eden Hazard. Ah, il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Sigurdsson, attention, il a du champ devant lui. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Mitzel. Pereira Carrasco. Ah, facile la récupération. Peut-être une occasion pour la Belgique. Oui, oui, il y a faute là. Il y a faute, pas de carton, mais coup franc, ça c'est sûr. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais on va, le défenseur est bienvenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Ah, c'est bien dégagé devant. Il va pouvoir s'enfoncer. Il progresse. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur.
Ça risque vraiment de lui trotter un moment dans la tête. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux défendre, tu mets ton corps en opposition, puis ça part du mauvais côté, pas de bol. Ils ont à présent une avance confortable. Kevin De Bruyne. Witzel. Romelu Lukaku. Et le ballon en retrait. Il travaille bien son ballon. Il marque en finesse. On revoit ce but au ralenti. Un capitaine qui a pris ses responsabilités. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile, il porte le ballon. Il tacle. Witzel. Eden Hazard. Thomas Meunier. Lukaku. Allez, peut-être le but égalisateur. Oh, que c'est mal joué, mais que c'est mal joué. Ah, il a cherché la complication et ça passe vraiment loin en plus. Hein. Kevin De Bruyne. Eden Hazard. Le joueur belge qui progresse. Attention. De Bruyne. Ah oui, il a du soutien. Ça peut être très dangereux. Sigurdsson. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et le gardien qui va. Ah, ça aurait pu marcher, mais c'est mal dosé. Witzel. Lukaku. Lukaku pour créer le décalage. Très belle passe. Les 30 derniers mètres. Oh, il y a des solutions. Il y a danger. Alfredson. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Lukaku, on s'approche du but. Allez, il peut faire quelque chose. Il peut certainement marquer sur ce ballon Carrasco. Et il marque. Bon, bah, finalement, ce sera plus compliqué que prévu. Hein, malgré les 2 buts d'écart, cette équipe n'a pas baissé les bras. Et voilà, égalité au score. C'est un match extrêmement serré, cette égalisation nous le prouve. Belle rencontre, un score de parité maintenant de 2. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention, le tir. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses, du coup. Voilà, c'est la mi-temps qui intervient sur ce score de 2-2. Pierre convaincu ou pas par la première période d'Eden Hazard? Alors, il a trouvé le chemin des filets. Et même si au tableau d'affichage, rien n'est fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore très actif en seconde période. Le schéma tactique de l'équipe. Oh là là, l'occasion. Ah oui, l'arrêt-réflexe. L'arrêt-réflexe du gardien, magnifique. Ah, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non.
Romelu Lukaku. Le ballon en retrait. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Alfredson. Lukaku. On s'approche du but. Lukaku. Allez, il peut faire quelque chose. Il peut certainement marquer sur ce ballon. Carrasco. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention, le tir. Le retour de la pause, ce sont les Belges, hein, qui donnent le coup d'envoi. Thomas Meunier. Alfredson. Bjarnason. Attention, il a du champ devant lui. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. De Bruyne. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Mertens. Peut-être une occasion pour la Belgique. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Oh, c'est bien donné en profondeur. Attention! Kevin De Bruyne, Lukaku. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Eden Hazard qui est venu jouer ce ballon loin du but. C'est nécessaire. Eden Hazard. Le ballon a touché le défenseur en dernier. Ce sera donc un corner. Et un joueur belge qui va faire son entrée. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Ce coup franc qui est frappé. Oula, très mal tiré. Très mal tiré ce coup franc. On a l'impression qu'il n'y croyait pas du tout. Du coup, il aurait mieux fait de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Sigurdsson. Eden Hazard. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Centre d'Eden Hazard. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand chose. Bjarnason. Les 30 derniers mètres. Oh, c'est dangereux. Mais cette fois, il ne trompera pas le gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. Encore un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Les Belges qui bénéficient du coup franc. Ce joueur qui sort après avoir livré un très grand match. Hein. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Et
un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Il est en position pour centrer. Le bon centre d'Eden Hazard. Ouais, on essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout cela. Ah non, c'est pas bien joué cette tête. C'est sûr qu'il n'y a que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne, mais à l'arrivée, ça fait des mètres. Sigurðsson. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Sigurðsson. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. La défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. Le corner de Sigurðsson. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Le joueur belge qui progresse, attention. Oh, le but peut-être. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Ce but qui nous permet de voir ces images superbes au ralenti. On voit toute l'application du buteur dans sa frappe. Il donne assez d'effet à son ballon pour le mettre hors de portée du gardien. Superbe. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Pas très bien exécuté cette volée. Ouais, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Il n'en reste plus que 9 minutes à jouer avant cette partie. Thomas Meunier. Attention à cette action côté belge. Ouais, la frappe. Oh, ça c'est rare de le voir rater des occasions comme celle-ci. Ouais, gros avertissement pour la défense sur ce coup-là. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour recoller au score. L'égalisation au bout peut-être. Allez, le ballon en retrait. Oh, le gardien qui évite à ses coéquipiers d'être rond. Avec un tir. Et il capte ce ballon. La dernière minute avant le temps additionnel. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Peut-être une occasion pour la Belgique. Mertens. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein. Le jeu, c'était pas là. On a bien dosé cette passe de la tête. Les 30 derniers mètres. Sigurðsson. Oh, il y est. Oh, le but. Oh, le but qui remet les deux équipes à égalité. Assez cruel pour l'adversaire hein, de marquer comme ça dans les arrêts de jeu. Ils viennent d'arracher l'égalisation. Ah, il se passe toujours beaucoup de choses dans ces moments-là et on n'est peut-être pas au bout de notre surprise, Hervé. Décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Moussa Dembélé. Le match est terminé, mais on ne sait pas s'il y aura des prolongations. Le schéma tactique de l'équipe. Oh là là, l'occasion.
Ah oui, l'arrêt réflexe du gardien, magnifique. Bah, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Sigurdsson. Romelu Lukaku. Ouais, le ballon en retrait. Il va falloir du jus, hein, de la force mentale pour disputer cette prolongation. C'est vrai que le physique va avoir un rôle de plus en plus important au fil des minutes. Sigurdsson. Bjarnason. Ouais, un bon ballon d'attaque. Gudmundsson. Et il y est. Il n'y avait plus qu'à conclure. C'est vraiment à bout portant. Et ouais, trop laissé jouer. Et voilà ce qui arrive. Cette équipe me surprend quand même. Puis plutôt agréablement. En plus, hein, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Je pense qu'il va falloir qu'on change les filets avant la fin du match. Si ça continue comme ça, ils vont être trop usés. Company. Sigurdsson. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Eden Hazard. Hazard ! Oh non ! Oh, quelle occasion manquée ! C'est l'égalisation là qu'ils viennent de rater d'un cheveu. Oh, c'est une sacrée occasion quand même, Hervé. Le match n'est pas terminé, mais là vraiment c'est nul. Hein. Sigurdsson. Oh là là, attention. Ah, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. Eden Hazard. Yuri Tillmans. Compagnie. On s'approche de la zone de vérité. Oh, c'est une balle d'égalisation. Bon, attention, c'est pas fini. Ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Hazard, ça peut faire but. Ah oui, magnifique, la parade du gardien. Allez, il faut s'appliquer hein, s'il veut l'égaliser. Le corner, le ballon en pleine surface. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Voilà, c'est la fin de cette première prolongation. Les équipes qui vont permuter. La seconde période de la prolongation qui commence, Pierre. Oui, entre deux équipes qui ont l'air quand même vraiment marquées sur le plan physique. Sigurdsson. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention, ça peut faire but.
C'est le gardien qui a le ballon. Oui, ballon facile, hein. Il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Et c'est sifflé, que dit l'arbitre. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Et c'est le face-à-face avec le gardien. Et un bon coup à jouer là. Attention à la frappe. Là, il met ce but. Oh, que c'est beau. Ouais, ça arrive de temps en temps. Un joueur qui rentre et qui marque un but quasi immédiatement. Il n'avait plus qu'à conclure, c'était vraiment à bout portant. L'équipe qui tente le plus dans ce match est récompensée. Elle joue sa chance sans complexe, elle a raison. La supposée différence de niveau se vaut pas du tout aujourd'hui. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et le temps qui passe, les buts qui continuent de tomber. Yuri Tillmans. Il reste 8 minutes à jouer dans ce match. Mertens. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Alors qu'il reste 6 minutes à jouer dans ces prolongations. Sigurdsson. Attention, ça peut être dangereux. Ah, pas de problème, hein, ça, le ballon circule bien. Oui, ils font vivre le ballon, c'est intéressant. Sigurdsson. Ah oui, le bon ballon là. Ah, le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre central a décidé de suivre son assistant. On revoit cette action au ralenti. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau. Il a signalé un hors-jeu. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le gardien qui va essayer de s'interposer. Ah oui, le tir. Corner, ça peut donner une occasion de but. Le corner de Sigurdsson, une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Voilà, c'est terminé, c'est fini, coup de sifflet final, tout le monde va rentrer au vestiaire. Il y a eu beaucoup de rythme, on a senti deux équipes désireuses d'aller vite vers l'avant, ça a été vraiment un très beau spectacle. Sigurdsson.